Comment préparer 5 remèdes avec du miel pour améliorer votre santé? Le miel d'abeille est l'un des ingrédients naturels le plus apprécié depuis l'Antiquité pour ses multiples applications culinaires et médicinales. C'est un aliment produit par les abeilles à partir de la transformation du nectar des fleurets, bien qu'il soit destiné à nourrir la ruche. Il a été employé pendant des siècles pour le bénéfice humain. On lui attribue des propriétés antibiotiques, antivirales et anti-inflammatoires qui, après avoir été assimilées dans l'organisme, pourraient prévenir et traiter plusieurs types de maladies. En outre, grâce à sa richesse en enzymes et en composés antioxydants, il est idéal pour améliorer la digestion et protéger les cellules contre les effets des toxines et des radicaux libres. Le meilleur de tout est que nous pouvons le combiner à des remèdes naturels avec d'autres ingrédients pour faciliter le traitement de multiples problèmes qui affectent la santé. Cela vous intéresse? N'hésitez pas à les essayer. Remède au miel pour renforcer le système immunitaire. Grâce à ses propriétés antibiotiques et antivirales, le miel est un bon complément pour accélérer la récupération des maladies qui sont produites par un système immunitaire faible. Ces nutriments augmentent la réponse des mécanismes de défense de l'organisme, facilitant le traitement de la grippe, du rhume et des problèmes urinaires. Ingrédients. 1/2 tasses de miel, 167 g, le jus d'un citron, 1 cuillère à soupe de zeste de citron, 10 g. Préparation. Versez le miel d'abeille dans un récipient résistant à la chaleur et chauffez-le au bain-marie pendant 5 minutes. Tout en chauffant, ajoutez un jus de citron et son zeste. Remuez le tout avec un ustensile en bois et laissez reposer le mélange à température ambiante. Conservez le produit dans un bocal hermétique. Consommez 1 cuillerée de ce remède à jeun, seul ou dilué dans de l'eau chaude. En cas d'infection, prenez-le jusqu'à 3 fois par jour. Nous vous recommandons de lire « Comment améliorer votre santé respiratoire avec le miel d'ail ». Remède au miel pour la digestion. Souffrez-vous d'inflammation et de douleurs abdominales? Vos digestions sont-elles lourdes? Si oui, vous pouvez essayer ce remède intéressant avec du miel et de racines de gingembre. Les deux ingrédients se distinguent par leurs propriétés digestives et anti-inflammatoires, capables d'accélérer la récupération de divers inconforts gastriques. Ingrédients. 1 tasse d'eau, 250 ml, 1 cuillère à café de gingembre râpé, 5 g, 2 cuillères à soupe de miel, 50 g. Préparation. Faites bouillir une tasse d'eau et, quand elle atteint le point d'ébullition, ajoutez le gingembre râpé. Laissez la boisson reposer pendant 10 minutes, égouttez-la et ajoutez le miel. Buvez une tasse d'infusion dès les premiers maux d'estomac. Consommez ce remède 2 fois par jour. Remède au miel contre les maux de tête. En raison de ses propriétés relaxantes et analgésiques, le miel peut être utile pour réduire les maux de tête qui paralysent nos journées. Nous allons renforcer les propriétés de ce remède avec du clou de girofle. Un ingrédient qui améliore la circulation et réduit l'inflammation. Ingrédients. 1 tasse de miel, 335 g, 10 clous de girofle, 1 tasse d'eau, 250 ml. Préparation. Chauffez le miel d'abeille au bain-marie et ajoutez les clous de girofle. Versez le produit dans un récipient hermétique et laissez-le reposer pendant 24 ou 48 heures. Ensuite, prenez quelques cuillères à soupe du remède et diluez-le dans une tasse d'eau chaude.
Consommez cette préparation au miel lorsque vous avez mal à la tête ou souffrez de douleurs musculaires. Prenez-le deux fois par jour si vous le jugez nécessaire. Remède au miel pour détoxifier le corps. Les enzymes et les antioxydants contenus dans le miel sont utiles pour favoriser l'élimination des toxines qui s'accumulent dans le sang. Ces composés, mélangés aux acides naturels du vinaigre de cidre de pomme, optimisent la fonction des organes excréteurs et réduisent le risque de dommages cellulaires. Ingrédients. 1 tasse d'eau, 250 ml, 1 cuillère à soupe de miel, 25 g, 2 cuillères à café de vinaigre de cidre de pomme, 10 ml. Préparation. Faites chauffer une tasse d'eau et ajoutez la cuillère à soupe de miel et de vinaigre. Mélangez bien les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient complètement dilués. Consommez la boisson à jeun, au moins 2 semaines d'affilée. Lisez également, 8 excellents aliments pour rétablir le collagène de votre peau. Remède au miel contre les crampes menstruelles. Le pouvoir relaxant et anti-inflammatoire du miel peut être amélioré avec les propriétés antispasmodiques de la cannelle pour obtenir un remède alternatif contre les douloureuses crampes menstruelles. Ingrédients. 1 tasse d'eau, 250 ml, 1/2 cuillère à soupe de poudre de cannelle, 5 g, 1 cuillère à soupe de miel, 25 g. Préparation. Faites bouillir une tasse d'eau et ajoutez la poudre de cannelle et la cuillère à soupe de miel. Consommez l'infusion chaude, de 2 ou 3 jours avant la période menstruelle. Souvenez-vous que, pour obtenir de bons résultats avec ces remèdes naturels, vous devez vous assurer que vous achetez du miel d'abeille d'origine sans biologique. Bien que certains miels industriels aient un goût similaire, leur qualité nutritionnelle et leurs propriétés sont réduites. Avant de terminer, lisez aussi cet article. Une étude scientifique affirme que le miel est le meilleur antibiotique naturel. Même s'il pourrait finir par remplacer les antibiotiques traditionnels, car il ne déclenche aucun effet secondaire. Il n'est pas conseillé aux patients qui souffrent de diabète ou d'allergie au pollen, ainsi qu'aux enfants.